Alors, s'il y a une seule chose à retenir pour cette Coupe du Monde, je dirais la chevauchée fantastique des Lions de l'Atlas. Ah ouais, non, franchement, c'est une chevauchée magnifique, magnifique. Et ils ont fait un parcours. Je crois que le Maroc a fait le meilleur parcours de l'histoire de la Coupe du Monde. Oui, je crois qu'on est champion du monde des parcours de la Coupe du Monde. Oui, parce que quand tu vois depuis les qualifs jusqu'au demi-finale, personne n'a pu marquer un but contre le Maroc. C'est dire à quel point l'équipe, elle était fantastique, elle était magnifique. Et quelque part, le Maroc a battu l'Espagne. L'Espagne a déjà été champion du monde. Donc, à ce moment-là, le Maroc était champion du monde par ricochet. Faut le dire, ouais, Zama, le Maroc a battu aussi le Portugal. Et donc, à ce moment-là, le Maroc était champion d'Europe par ricochet. Voilà, donc, je pense que c'est un parcours à féliciter. C'est la seule chose à retenir de cette Coupe du Monde, parce que les Lions de l'Atlas nous ont fait vibrer, nous ont fait ressentir des vibrations vibrantes qu'on n'avait jamais osé vibrer avant. Et donc, voilà, c'est quelque chose à féliciter. Et j'aimerais justement dédier ce parcours à tous les Marocains, à tout le monde arabe, à tous les musulmans. Et voilà. Non? Et à l'Afrique, 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 dit ma marie.